Ici Zoom, cette idée, présentement en tournage, au rassemblement de Tekel, 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 la sorelle. Tout pour Pitou. Techniquement, oui, c'est tout. quand même, parce que vous leur faites tous des tours. Il y en a qui sont mal à 14. C'est vraiment... Ils sont pas mal autonomes, ils vont aller sentir. Là, je les laisse aller. Nous en avons de toutes les couleurs et de toutes les costumes, parce qu'il y a des concours de costumes en plus. Oh! Ça donne envie de manger un hot dog. Ça va être assez impressionnant, la course tantôt. Le monde pense que ça court pas vite, un Tekken, ça court à peu près à 35 km/h. J'ai fait la course, ma petite chienne est arrivée troisième. Ça, c'est des pénis de bœuf déshydratés. Pénis de bœuf. On a le dos du Oh, ben, Karine! Vous venez souvent ici, à ce rassemblement-là, ou...? C'est la troisième année. Ça vient de Sorel, en fait. Fidèle au poste, là. Ouais, toujours. c'était bien amusant. Vous venez chaque année, c'est ça? Non, c'est la première fois. Ça vous incite à revenir l'année prochaine? Certainement. Côté de Serge Péloquin, maire de la ville de Sorel. Oui. Dites-moi, de quelle façon êtes-vous impliqué, en fait, dans l'événement? Bien, cet événement-là, ça fait 3 ans qu'il se tient ici à Sorel-Tracy. Puis, grâce à Philippe et puis Sandra, alors, ils sont venus me rencontrer. Puis avec l'intention de faire un événement, Tekel, alors on a dit oui tout de suite. Les gens viennent de partout, de Québec. J'ai vu des gens tantôt de Tetford Mines, il y en a de Québec, il y en a de Sherbrooke. Donc c'est extraordinaire, les gens découvrent non seulement la ville, mais aussi ils passent un bon temps chez nous, puis c'est une activité qu'on adore. Je dois féliciter Philippe, Sandra et son équipe, et tous les bénévoles. Alors répandez la bonne nouvelle, on vous attend à Sorel. Il y a des hot dogs, pas juste des chiens saucisses.